Et les observes, elle est magnifique, mais alors là, c'est le contenu, c'est vous. Merci, mon frère. Et j'écoutais la radio, et tout à coup j'entends. L'autre jour, je me suis trompée en plus. J'ai dit les Empire State, Berlin, non ? Mais c'est les deux tours. Voilà. Et donc j'entends à la radio un monsieur qui dit d'une voix très neutre, comme le disent toujours les journalistes, qu'un avion donc est rentré dans. Voilà. Et je dis wow. Alors je change de poste et je change encore de poste et partout la même voix très neutre qui racontait la même histoire. Puis j'allume la télé, pareil. Et puis comme à chaque instant que je contrôle pas la situation, j'ai un sort de besoin d'écrire une chanson. Et à ce moment-là, j'entends sur un poste une voix vraiment pas neutre mais qui presque pétait un câble. C'était oui et c'est la fin de. C'est la fin de l'humanité ou je sais pas quoi. Donc ça m'a donné plein d'idées. Et donc j'ai commencé à écrire et je me suis donc imaginé effectivement que cette personne, elle allait très très loin et il devenait un sort de gourou, de leader de secte et ça allait très très mal à la radio. Et donc voilà. Et donc j'avais une chanson. Et quand Rollo m'a appelé pour donc l'accompagner sur Mazad Gavoul, je dis avec plaisir. Mais en fait j'en ai déjà une autre sur le 11 septembre. Tu te souviens de la ligne de base ? Tu l'as vu en plus. Je pensais que tu m'allais me faire une autre ligne de base. J'avais peur. Non, c'est parfait. La chanson s'appelle Venez vers moi. Ça vous va ? Le directeur.
Toi et toi là-bas, je vous promets, belle. Venez me voir, suivez-moi. Toi et toi là-bas, car je connais quoi. Venez me voir, suivez-moi. Toi et toi là-bas, je vous promets, belle. Venez me voir, suivez-moi. Toi et toi là-bas. Je m'amuse, et c'est moi. Merci.